Ça fait un petit moment où je n'avais pas eu de situation. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec les passeurs et notamment avec un centre fort devant le but. On l'a répété plusieurs fois et Dylan met un très bon ballon que j'arrive à couper. Et pour le deuxième, pareil, avec l'autre Dylan, Chambost, on discute aussi beaucoup sur les passes en profondeur et il me la met super bien en une touche et voilà, j'ai plus qu'à finir. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas se permettre de dire ça, mais c'est vrai que on avance doucement et sûrement et il va pas falloir relâcher les efforts tant que c'est pas fait. Et voilà, je suis content de l'esprit de l'équipe. On a mis beaucoup de cœur et beaucoup d'efforts et il faut qu'on continue comme ça. C'est vrai qu'on l'avait dit dès le début, c'était une semaine très 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 importante et on a vraiment axé sur la perte de ballon, à être vraiment vraiment très présent à la perte de balle pour éviter les contres et chose qu'on a très bien fait. Sur ce match-là, on était un peu en difficulté les 10 premières minutes parce que leur 6, ils arrivent à trouver leur 6 facilement et on a recadré ça et avec beaucoup d'efforts, on a réussi à les canaliser. On voit une équipe qui est solidaire, qui lâche rien et qui fait beaucoup d'efforts. Et il faut qu'on garde cet état d'esprit jusqu'au bout. Il n'y a que comme ça où est-ce qu'on arrivera à gagner des matchs. On a vu certains matchs où on s'est relâché un petit peu, on l'a payé cash. Mais avec cet état d'esprit, ça devrait aller. On n'a pas le temps de cogiter, au contraire, il faut essayer de gagner et d'être positif aussi pour l'équipe. Et voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes coéquipiers, ils ont confiance en moi. Donc le plus important, c'est d'apporter le maximum à l'équipe. Et comme j'ai dit, ça va venir tout seul et c'est venu aujourd'hui.